Me revoilà. Donc, je vais vous lire donc un autre petit poème, puisque ma batterie veut bien que je parle. Elle est très conciliante. Donc, je vous lis un autre poème. Une mère sait. Voilà le titre du poème. La préférence pour ses enfants, qui court pour eux, pour elle, qui souffre pour la première, qui se fait la prière d'être là derrière quand roulent les pierres. Qui hurle pour la protéger et non la tuer. Tuer son amour maternel, c'est pas une mère. Faire l'autruche, quand Lola a mal, quand Lola veut en finir, quand Lola pleure toute seule. Quand sont finis les rires, quand il n'y a plus d'affinité, entre une mère et sa fille, rien ne peut rattraper des années. Foutu à la poubelle. Et rien ne changera cette mère, car elle nie toute sa vie la souffrance qu'elle a fait endurer. Pour elle, c'est normal, elle l'a tuée. Mais elle s'est tuée toute seule, car sa fille a ressuscité d'entre ses filles de nouvelles petites billes à la vanille. Mais il reste ce blanc, où elle n'a plus envie de continuer à faire la gentille fifille. Avec sa mère faible et hypocrite, là cette fameuse grille persiste et revient, plus envie. Rancœur de vie, souffrance qui survit. L'argent de l'héritage ne fait pas tout. Boum, boum. Et c'est flou. Voilà, une mère c'est ça. Une mère c'est la préférence pour ses filles, c'est la préférence pour ses enfants. Et une mère, c'est quelqu'un qui hurle pour protéger ses enfants, et non pas le contraire. Une mère qui s'enfuit et qui repousse toute responsabilité, bah, c'est pas une mère. Et je pense que les gens qui sont comme ça ne sont pas très fiers quand ils arrivent à la fin de leur vie. C'est pour ça que je voulais faire ce poème. Je sais pourquoi je l'ai écrit. Si vous lisez tous mes poèmes, vous comprendrez le début. C'est à vous de voir pourquoi, comment. C'est à travers mes poèmes que je me dévoile, que je dis, que je crie et que je hurle. Voilà. Donc, la vie n'est pas rose. Tout le monde a géré beaucoup de choses, a supporté beaucoup de choses. Et moi, à travers les poèmes, je crie. Voilà. Donc, eh bien, en cette belle journée du mois d'août, je vous souhaite une très belle journée. Encore et encore du soleil, mais pas trop chaud, parce que la chaleur, c'est pas terrible non plus. Donc, un petit peu de soleil, un brin mitigé pour la chaleur, et beaucoup de fleurs. Sur ce, à bientôt.